Les amis, on a trouvé une grotte. Quoi? J'ai perdu les clés. Non mais t'es sérieuse? Mais oui. Tu les as fait tomber où? Bah dans l'eau. Dans l'eau là? Oui, mais je sais pas où elles sont là, je les vois plus. Mais tu fais que des bêtises. Et j'ai pas fait exprès. Ah non mais bon là les amis, ce qu'on était en train de vous dire, c'est qu'on a trouvé une grotte, on était en train de se balader dans la forêt comme ça. Regardez. Et il y a une grotte ici, c'est absolument fou. Ouais, attends, c'est trop beau. Attends, attends, j'ai pas rêvé. T'as dit que t'as perdu les clés? Oui. Les clés de la maison? Oui. Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, cette vidéo prend une autre tournure. J'avais envie de filmer parce qu'on a trouvé une grotte. Sauf que non, mais tu sais ce qui se passe là? Bah non, je sais pas. On a qu'une seule clé pour la maison. Non. Mais si. Sérieux? Et en plus, on peut pas en faire de nouvelles. Purée. Il faut absolument la retrouver. Regardez, c'est magnifique là. C'est une vraie grotte là qu'on a trouvée. Ça tombe, c'est une grotte qui servait à la préhistoire et attends. Tout. Attends, éclair, tu l'as fait tomber là dans ce trou là. Bah il est pas là, c'est pas. Ah non mais en plus, regarde, c'est un cours d'eau, donc ça tombe, c'est parti là-bas dans l'eau, c'est parti super loin. Bah non, c'est pas là. Non mais ça tombe, regarde, c'est parti là-bas dans le lac. Bon. Non. Voilà, si seulement quelqu'un pouvait nous aider. C'est. Mais c'est quoi ça? C'est vous êtes qui? Bonjour. Je suis la vieille dame de la grotte. Vous êtes qui? La vieille dame. La quoi? La vieille dame. La vieille dame. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis là pour vous aider à retrouver vos clés. Je sais où elles sont. Bah, elles les sont clés? Retrouver les clés? Bah oui, que vous avez perdu. Ah, pour tu veux nous aider à retrouver les clés? Bien sûr, bien sûr. Mais il faut faire quoi? Bah pour vous aider, parce que je suis une bonne samaritaine. Tu veux nous aider? Exactement. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu nous aides à retrouver ça? Vous voyez, vous avez été tombé. Oui, dans l'eau. Elles ont été emportées par la rivière. Et du coup, elles sont où? Elles ont été emportées par la rivière, ok. Il faut faire quoi? Bah, on va pas aller au milieu de la rivière. Bien sûr quoi? Que si. Il faut prendre un bateau pour trouver vos clés. Mais il n'y a pas de bateau. Prendre un bateau, si. Je sais, il y a un endroit où on peut louer des bateaux à côté. Bah, on y va alors. Bon, ok. On loue un bateau et on essaie de retrouver ça. Un bateau. Là, les amis, c'est parti. On va essayer de louer un bateau et de retrouver des clés dans l'eau. Oui. Et tu sais où elles sont ou pas? Oui, oui, bien sûr, je sais où elles sont, je vais vous montrer. Allez, bon. Là, les amis, on va prendre un bateau et on va essayer de voir ce qui se passe. Allez, ça marche. Bon, les amis, là, c'est bon, on a pris un bateau, là. Ouais. On vient de le prendre, de le louer. Oui. Et... Bon bah du coup on a pris la vieille avec nous, personne âgée. Ouais, parce qu'il y a que elle qui peut nous aider quoi. Apparemment il y a que toi qui peux nous aider à retrouver nos clés. On est dans la bonne direction moi. C'est par là? C'est par là, par là. Ok, c'est par là. Mais là du coup les amis, ça nous inquiète énormément. Parce que bah, si on retrouve pas nos clés, on pourra plus jamais rentrer chez nous. Elle cherche. Tu cherches hein? Oui. Vous savez où c'est ou pas? D'ailleurs les amis, si ça vous intéresse de savoir ça, notre ancienne maison, elle est juste derrière. Là où on a fait des vidéos pendant 4 ans. C'était juste à côté, on vous le dit maintenant qu'on n'habite plus du tout là. Mais voilà, donc bon, peu importe, ce que je devais vous dire c'est que si on trouve pas nos clés, eh ben, on va devoir dormir dehors ce soir. Et on a vraiment parce que, en fait, il existe qu'une seule clé pour ouvrir notre porte et on peut pas en refaire de nouvelles. Parce que c'est une clé très spéciale. Donc si c'est ça, si on la retrouve pas, on est obligé de déménager. Ça balote, Esteban. Attends, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Le bateau il bouge là. Non mais arrêtez là, on va couler. Attends mais je vois de la fumée. Oh non. Il y a de la fumée. Oh non, c'est pas vrai, il avance. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous avez jeté un sort sur le bateau. Non mais la vieille, là, qu'est-ce qui se passe? Non mais la vieille, c'est toi qui... Oui. On n'avance plus là. Qu'est-ce qui se passe? Le bateau, il est tombé en panne. C'est pas vrai, vous êtes même pas capable de conduire un bateau. De quoi? Peut-être là-dessous. Il y a vos clés. La clé? Peut-être juste en dessous du bateau. La clé en dessous du bateau? C'est pas possible, elle est pas dans l'eau la clé. Mais pas Pink. Non mais je m'en doutais, mais elle est en train de nous raconter des bêtises. Elle voulait faire un tour en bateau. Non mais je suis sûr qu'elle a fait ça pour faire un tour en bateau tranquille. Ouais c'est sûr. Et elle nous a entendu quand on était dans la grotte, elle nous a entendu parler de nos clés. Oh et elle s'est dit que c'était l'opportunité. Bah ouais, non mais t'es sérieuse. Non, tout ce que je veux faire, bah là, c'est juste vous aider. Non mais tu veux nous aider, oui oui bien sûr, nous aider. Mais c'est pas étonnant que ça avance plus, il y a des algues. Ça veut dire que non mais on t'a suivi, on t'a suivi jusqu'ici, on t'a fait confiance et tu nous as emmené dans un endroit avec plein d'algues. Mais c'était pour vous aider, pour trouver vos clés enfin. Mais elles sont nos clés? Non. Bon, là les amis, on est en train de se rendre compte que la vieille profite, elle profite de nous, elle profite de nous pour avoir un bateau et il manquerait plus que tu nous voles le bateau maintenant. Hein? Déjà c'est mon bateau maintenant. On sait pas si t'es gentil. C'est pas du tout ton bateau. On sait pas si t'es gentil ou méchant. Ou tiens moi Esteban, je vais essayer d'enlever les algues. Ouais, vas-y. Regarde, tiens, il y a plein d'oiseaux bizarres en plus. Vas-y, je te tiens.
Moi, je surveille la personne âgée, ouais, là. Parce qu'elle va nous voler nos affaires, peut-être. Parce que je suis sûr que tu fais tout ça pour nous voler des affaires. Ah non, pas du tout. Tu profites tout, hein, de notre détresse. D'ailleurs, donne-moi ça. C'est moi bien, c'est pas. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je te dis. Ça va, je suis en train de les enlever. C'est facile. T'enlèves les algues. Ouais, ça, en fait, c'était l'hélice. Allez. Elle a fait exprès de venir ici. Attends, c'est bon. Le moteur, il remarche. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On redémarre, on redémarre. Bah voilà, ah bah enfin, vous voyez, c'est pas. Ah bah non, t'as mais vu, les clés elles sont pas là, t'es une menteuse. Ah non mais, les clés elles sont où? Allez, dernière elle chance. A oublié, elle a de toute façon, les amis, on n'a pas le choix. Si on retrouve pas nos clés, c'est fichu pour toujours, ouais. Là, on est obligé de redéménager encore une fois. Et attends, tu reverras plus jamais ta chambre, désolé. Ni les chats. Surtout qu'on était. Ah ouais, les chats. Les chats ils sont à la maison. Si on peut pas leur apporter à manger, etc. Oui. À cause de la vieille là. Je vous promets, elles sont parées à vos clés. Elles sont où les clés? Elles sont parées, faut avancer, c'est okay, tout. Okay. Il nous reste combien de temps de bateau là? Une demi-heure. Est-ce qu'elle sait nager? Il nous reste que 30 minutes pour les trouver. Quoi? Ah oui, c'est vrai, tu sais nager. Je sais pas nager, non. Allez, nage. Allez, on va te mettre. Si, attends, je sais ce qu'on va faire. Si tu nous trouves pas les clés, parce que tu nous as promis de retrouver les clés, t'as dit que tu savais où elles sont. Et ben, on la fait nager jusqu'à ce qu'elle les retrouve, ok? Et voilà, on te fait nager, ouais. Et sans gilet. Non, tu lui prêteras ton gilet. Non, bah non, non, c'est bon, tu sais nager, non? Question de sécurité quand même. Ouais, question de sécurité, on te donnera un gilet parce que t'es très vieille. Je vais me noyer. Non, il n'y a pas de question de ça. Ah, bon, les amis, on va essayer de chercher de notre côté aussi un peu les clés. Parce que, bon, en même temps, je vois pas pourquoi elles seraient tombées dans l'eau toutes seules alors que je les ai perdues dans la grotte. Mais bon, après, c'est vrai qu'à côté de la grotte, il y a de l'eau. Je réfléchis trop, je suis trop perturbé. Bon, ta dernière chance, hein. Après, c'est à l'eau. Pareil, faut aller à l'eau et on te récupère plus jamais d'ailleurs. Ok, par là. Du côté de la grotte en plus. À côté de la grotte. On retourne à côté de la grotte, allez. Attends, j'ai plus le contrôle. C'est pas comme ça. Regarde. Non mais. Le bateau il tourne. Non, arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle en a tué une fois. On va foncer dans un mur. Non. Mais non. On va foncer dans un mur. Heureusement qu'il va pas vite ce bateau. Les amis, on se retrouve dès qu'on est retourné à la grotte pour essayer de chercher. Parce que là, c'est une catastrophe. Ah ouais, vraiment. Allez, c'est parti. Allez, Lily Rose. On retourne là, on est retourné dans la grotte, les amis, parce que le bateau, ça n'a servi à rien. Ouais. On est avec notre amie, la vieille. Bonjour. Peppa Pig qui est là-bas, qui cherche un peu aussi. Bon, je sais vraiment pas on où retourne aux sources. Peut-être qu'elles sont restées là dans le creux. Hein. Bah, parce que comme il n'y a pas beaucoup de vagues, même il n'y a pas de vagues du tout. Ouais. Et j'y pense, t'as fouillé tes poches ou pas? Attends. Parce que ça tombe, elles sont là depuis le début. Elles sont là? C'est une blague. Mais elles sont là depuis le début. Mais elles étaient dans ta poche depuis le début. Bah oui. Il y a la grotte. Non mais comment ça? Mais il y a la grotte, on l'a même pas perdue en fait. Tu nous as fait prendre un bateau pour rien, si t'étais vraiment voyante là. Comme t'avais dit, tu aurais su qu'elles étaient dans la poche. Non, c'est pas possible. Bon, c'est pas Pink. Je suis là. Pour ça. Ah, vous avez retrouvé? Bah c'est bon, elles étaient dans la poche. Elles étaient dans la poche de Lily Rose. Comment ça, dans ta poche? Bah oui. Oh non, t'aurais pas pu nous le dire plus tôt. Bah je viens de le remarquer là. Je peux entendre parler de toi la veille de la grotte. Non, allez, bon, bah, les amis, bah tiens, on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like et cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là. En tout cas, on va pouvoir rentrer chez nous, c'est le principal. Oui. Allez, à plus.